Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mardi 27 octobre. Et parmi les titres développés ce soir sur TV7, le nombre de demandeurs d'emploi en baisse en Nouvelle-Aquitaine au troisième trimestre et en France métropolitaine, c'est ce que nous verrons dans ce journal. Nouveau conseil de défense aujourd'hui et demain, le président de la République envisagerait même de s'exprimer dès ce mercredi pour de nouvelles mesures de lutte contre le Covid. Comment sont attendues les prochaines décisions à Bordeaux, c'est ce que nous verrons. Et enfin, à Bordeaux, un chantier de fouilles archéologiques préventives laisse entrevoir le sol moyenâgeux de la ville. Enfin, du côté de la météo, le temps sera toujours couvert avec quelques averses, même si de timides éclaircies devraient faire leur apparition en fin d'après-midi sur une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, la région qui sera séparée en deux pour les températures, 15 à 16 au nord et 18 au sud pour les maximales. Les derniers chiffres concernant la situation du chômage en France au troisième trimestre de 2020 sont parus ce mardi après avoir connu une hausse historique de 24,5% au deuxième trimestre due notamment au confinement. Pôle emploi a donc enregistré une baisse cette fois-ci de 11,5% de demandeurs d'emploi de catégorie A au niveau national. Il y a donc 475 900 inscrits en moins selon les chiffres du ministère du Travail. Une baisse portée par les moins de 25 ans notamment et en région Nouvelle-Aquitaine, cette baisse est plus marqué encore avec un recul de 13,3% des demandeurs d'emploi. Et c'est dans la Vienne que ce recul est le plus fort avec moins 16,8% de demandeurs d'emploi de catégorie A. En revanche, sur un an, le nombre de demandeurs progresse toujours de 8,9% en Nouvelle-Aquitaine et de 9,5% en France métropolitaine. Un conseil de municipal de Bordeaux avait lieu aujourd'hui et qui a débuté notamment par une minute de silence en hommage à Samuel Paty, alors que la situation sanitaire ne s'améliore pas dans la capitale girondine. Le maire de Bordeaux n'écarte pas d'ailleurs la possibilité que des mesures sanitaires plus strictes soient prises sur la ville. La proposition d'ailleurs du maire de Nice de procéder à un confinement dit économique la semaine et un confinement strict la nuit et le week-end ne relève pas pour Pierre Urmic de la science-fiction. On l'écoute. Oui. Moi, je m'attends au pire dans les jours et dans les semaines qui viennent. Pour le moment, nous résistons. Je pense que nous faisons preuve d'anomalie, mais aussi, je crois, d'une certaine résistance sanitaire. Je pense que les Girondins se comportent, à mon avis, peut-être mieux que d'autres habitants de notre pays. Mais pendant combien de temps ça va durer, je pense qu'il y a toutes les raisons aujourd'hui pour être inquiète et considérer que la situation exceptionnelle dont nous bénéficions actuellement ne va pas durer pendant des semaines. Alors, je ne suis pas médecin, je n'ai pas des relations privilégiées avec le conseil scientifique, mais je pense que la situation est tout à fait précaire, que c'est une histoire de jours, peut-être de semaines, mais pas beaucoup plus. Voilà, et le conseil municipal de Bordeaux qui a par ailleurs adopté une motion visant à interdire les animaux sauvages dans les cirques qui se produiront désormais à Bordeaux à l'avenir. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans la matinale de Raphaël Horenbusch ce mercredi. Et pour rester sur la question du Covid, Emmanuel Macron envisage donc de prendre la parole dès ce mercredi pour de nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19. Jean Castex serait ensuite chargé de détailler ces nouvelles mesures et ces restrictions ce jeudi, des décisions qui seront, dit-on, impopulaires mais assumées. Les scénarios envisagé pour ce prochain durcissement vont d'un renforcement du couvre-feu qui pourrait donc débuter à 19h, voire être étendu à tout le territoire jusqu'à un reconfinement total ou alors limité au week-end. En bref, sur la Charente-Maritime, le 90e congrès des départements de France n'aura donc pas lieu les 5 et 6 novembre prochains, comme prévu à la maison départementale de La Rochelle en raison de la situation sanitaire. C'est une décision annoncée par le président du département, Dominique Bussereau. Elle est reportée donc à une date ultérieure et pas encore déterminé. Ce congrès, d'ailleurs, devait célébrer les 230 ans des départements de France. Depuis deux semaines, maintenant, les sous-sols de la place Saint-Projet à Bordeaux sont fouillés avec minutie. Un projet prévoit en effet la création, d'ici la fin du mois de novembre, d'un futur îlot de fraîcheur sur cette place minérale du centre-ville de Bordeaux. L'occasion pour l'équipe d'archéologues des fouilles préventives de Bordeaux Métropole de mettre à jour certaines découvertes médiévales. On a mis au jour directement des niveaux de circulation de l'époque médiévale. Les premiers éléments étaient plutôt deuxième moitié du Moyen-Âge, mais là on atteint des niveaux plutôt carolingiens, de l'époque carolingienne. Dans ce secteur, on connaît déjà la rue Sainte-Catherine, donc c'était une voie antique, donc c'était déjà une zone occupée. On est au milieu de la ville qui est entourée de l'enceinte construite au IIIe siècle. Et ensuite, pour le Moyen-Âge, on a une mention dans les textes d'un marché pour le Moyen-Âge et pour l'époque moderne.
Et on a aussi l'hypothèse d'un enclos palatial, une hypothèse fondée par des historiens universitaires sur un enclos où on avait la monnaie, un palais, une chapelle palatiale et éventuellement ici une place ouverte. On sait qu'on a des vestiges antiques, il y a eu des fouilles dans les années 50, on sait qu'on a des vestiges antiques dessous, on sait qu'on est dans la ville antique, on le sait. On descend seulement à la profondeur qui correspond à la cote des travaux. On sait qu'on a des vestiges en dessous, mais nous, on ne va détruire, finalement, on ne va étudier que ce qui va être détruit. On a 2 ans pour remettre le rapport de fouille. Et sur ces 2 ans, on fait faire une analyse de la céramique, on peut faire des datations radiocarbone sur des ossements, sur des charbons, si tant est qu'ils sont bien placés, si on a bien le contexte. Sinon, on ne fait que dater un élément et pas le contexte. Et puis après, on se réfère à tout ce qui est stratigraphie. On a toutes ces études-là, l'étude du mobilier métallique, etc. Et ça, ensuite, on fait une synthèse et on remet un rapport à l'État. On a 2 ans. Énième épisode autour de la Zombie Walk à la veille de la rencontre entre les organisateurs de cette manifestation qui est attendue le 31 octobre et la préfecture qui doit rendre sa décision quant à sa tenue ou non. Il ne plane aucun doute quant à son interdiction, les rassemblements de plus de 6 personnes étant interdits par décret préfectoral, une décision difficile à comprendre pour l'organisateur de la Zombie Walk qui souhaite faire de l'événement un outil, je cite, pédagogique pour mieux comprendre le virus. On l'écoute. Quelle différence y a-t-il entre effectivement des passants qui font du lèche-vitrine et des personnes qui déambulent dans la rue, dans les rues de Sainte-Catherine, Port-Dijon, etc., du centre-ville de Bordeaux, et qui vont de toute manière eux aussi faire du shopping. Le zombie, il peut aussi prendre un verre dans un bar, il peut acheter des accessoires dans un magasin d'Halloween, il peut s'acheter une chocolatine dans une boulangerie. Donc, je ne vois pas la différence. La différence, c'est qu'il sera grimé, c'est tout. S'ils veulent nous interdire, il va falloir qu'ils sortent un arrêté anti-zombie. Donc, ça sera très, très second degré qu'ils en arrivent là. Je crois que ça sera le premier arrêté anti-zombie qui sera créé dans le monde entier, quoi. Voilà, mais avant d'en arriver là, dans les colonnes du journal Sud-Ouest, demain, vous retrouverez les différents scénarios envisagés à l'heure du choix pour Emmanuel Macron. Comment va-t-il prendre sa décision? Et un sujet science, l'épidémie est-elle vraiment dopée par le fourrat? En tout cas, les chiffres le montrent. Ensuite, ce sera un sujet sur un mois après leur arrivée. Quel impact sur la présence des CRS à Bordeaux? Le bilan donc dans les colonnes du journal. Et enfin, comme chaque mercredi, et ce sera la page cinéma avec 2 films à l'affiche, ADN de Mai Wen et Garçon chiffon de Nicolas Maury. Allez, avant de retrouver l'actualité sport avec Bastien Loquet, une info du 15 de France avant le dernier match du tournoi des 6 nations face à l'Irlande. Le bordelot béglais Mathieu Jalibert remplacera donc Teddy Thomas qui est lui blessé aux ischios. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.